Nous allons ici essayer de comprendre comment on peut essayer de dénouer le nœud gordien climat-développement. La chose est simple à dire. Il n'y aura pas de politique climatique si on n'y associe pas les pays en développement et en même temps, les pays en développement ne participeront pas aux politiques climatiques si celles-ci sont vécues comme des contraintes supplémentaires à leur développement. Pour comprendre les enjeux, ce graphique donne les émissions par tête des grands pays du monde et le pourcentage de ces pays dans la population mondiale. On a tracé une ligne rouge, théorique, mais qui représente quelque chose de précis, qui est qu'est-ce qu'il faudrait comme émission par tête en 2050 pour respecter une trajectoire qui stabiliserait les concentrations de CO2 dans l'atmosphère à 450 parties par million en gros. Ce qu'il faut pour rester autour des 2 degrés centigrades de réchauffement euh, du climat. Il y a donc, dans cette hypothèse, un budget global et une convergence vers un niveau par tête d'émissions. On voit bien sûr ce que tout le monde connaît, je pense, l'ampleur des baisses d'émissions qui devaient être faites aux USA, mais aussi dans nos pays, l'Allemagne, la France, etc. Il y a un petit détail qui doit nous intéresser ici, c'est que la Chine déjà, et bientôt le Brésil, passe en dessous de cette ligne. Ça veut dire que dans toute négociation, par exemple sur des quotas d'émission, très vite, la Chine et le Brésil vont être des importateurs de permis par rapport à l'Inde. Et on voit mal, bien sûr, pour caricaturer le, le bureau politique chinois, accepter de s'engager dans un accord qui l'obligerait chaque année à financer son grand voisin indien. Alors, il faut prendre la mesure des impasses que constitue tout raisonnement sur un partage des restes du budget d'émission, qui est celui que l'on vient de voir euh, maintenant. Tout système quota plus commerce, cap and trade, implique des transferts compensatoires énormes entre le Nord et le Sud, que les simulations existantes toutes situent supérieures à 1% du produits intérieurs but de l'OCDE pendant 40 ans. Nous qui n'avons jamais dans le passé réussi à satisfaire, à remplir l'objectif proclamé de 0,7% du PIB pour l'aide au développement. C'est lié, pourquoi des transferts si massifs C'est que les pays du Sud sont plus impactés que ceux du Nord par un prix du carbone. Leur décollage économique dépend en effet de secteurs intensifs en, en énergie comme le ciment, l'acier, les non ferreux la pétrochimie. 50 euros la tonne de carbone, double le prix du ciment en Inde. Ce qui fait que pour eux, l'effet de propagation des coûts dans tout l'appareil de production est bien plus fort que chez nous. Et ça joue sur le coût de leurs infrastructures et aussi sur, bien sûr, la capacité de leurs industries exportatrices. Et enfin, des coûts de l'énergie bien plus élevés vont retomber sur les couches moyennes émergentes de ces pays qui... En gros, se verraient au moment où elles sortent de la pauvreté, empêchées de le faire par des coûts énergétiques trop élevés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne puissent pas contourner ces obstacles, mais en tout cas, ils existent, il faut voir comment on peut le faire. Ils pourraient le faire avec des mesures d'accompagnement qui sont possibles, sauf qu'ils devraient pouvoir le faire à un rythme qui peut-être ne sera pas compatible avec leurs contraintes politiques internes. On peut aussi jouer sur la générosité du Nord, les économistes appellent ça des transferts compensatoires. Mais on voit mal aujourd'hui des pays comme le nôtre, comme l'Allemagne, comme les USA, faire des transferts en direction de pays si peuplés au moment même où on constate hein, une transformation des rapports de force géopolitiques et des transports de forces économiques, où par exemple la sidérurgie française aujourd'hui est détenue par euh, des capitalistes en provenance de l'Inde. Et, dernier point, même au sein des pays en développement, il n'y aurait pas d'unité, puisque la Chine, par exemple, serait forcée très vite de financer un pays comme l'Inde et bien sûr les pays africains. Alors, question, après cette, ce diagnostic un peu négatif, pourquoi, malgré tout, on peut penser que les pays émergents, on est sûr que les pays émergents veulent une politique climatique D'abord, ils ont une vraie perception de la menace. Montée des déserts, transformation des régimes hydriques, euh, du régime des pluies, multiplication des zones qui deviennent inhabitables parce que les pointes de chaleur sont trop récurrentes et trop longues et trop fortes. Mais aussi, il y a la vraie perception de grands pays comme la Chine, l'Inde, des risques de la géopolitique de l'énergie tout au long, au long du XXIe siècle pour la paix dans le monde, puisque l'énergie a été et restera une source de conflits. Pour l'accès aux ressources fossiles. Il y a aussi la réduction des pollutions atmosphériques locales, pollution urbaine très importante, et de façon positive, le fait qu'ils sentent bien qu'il y a une frontière d'innovation bas carbone dont ils pourraient profiter et là, ne plus être suiveurs historiquement, mais devenir leader. Ils ont aussi conscience qu'ils sont en train de construire sur 20-30 ans l'essentiel de leurs infrastructures et que donc ils vont bifurquer vers un type précis de développement plus ou moins mimétique d'une autre si on y prend garde ils ont conscience que ce développement va se faire dans un contexte de tension sur l'énergie et sur les ressources et que donc ils risquent d'être piégés et piégés dans un développement dualiste parce que tout simplement ils ne pourront pas offrir ce modèle de développement à l'ensemble de leur population en même temps il y a des scénarios fait dans ce sens par beaucoup de scientifiques de ces pays, sur le fait qu'ils pourraient bifurquer vers un développement qu'on appellerait plus inclusif, où il n'y ait pas cet éclatement entre ville et campagne, entre riches et pauvres. Mais pour cela, il faut réorienter rapidement leur politique, leur politique d'infrastructure dans les transports, dans le bâtiment et dans les infrastructures en zone rurale. Un bas carbone les y aiderait, pourquoi Parce que ça permettrait de réorienter l'épargne nationale qui, aujourd'hui, même chez eux, de la spéculation immobilière ou se place à l'étranger. Leur intérêt, c'est que cette euh, épargne se réinvestisse dans ces infrastructures. Et peut-être euh, la politique climat pourrait euh, y contribuer. C'est toute la signification du changement de paradigme de Cancun. À Cancun, on adopte l'idée que le principe est celui de l'accès équitable à un développement bas carbone. En jouant sur des politiques de prix, c'est impossible parce que ce n'est pas même des prix du carbone à 50 ou 60 euros qui vont ralentir la dynamique euh, urbaine dans ces pays. Il faut une action précoce pour rediriger les investissements d'infrastructures. Il faut qu'on l'ait, même en l'absence d'un fort signal prix. C'est une affaire de redirection des investissements. Et bien sûr, là vient la question du principe de responsabilité commune mais différenciée, euh, où là, les pays du Nord ont une responsabilité. Les pays, du Nord, les pays du Nord sont engagés à financer un fonds vert carbone pour les prochaines années. Ce fonds est fait de financement public. Il sera probablement insuffisant pour faire toute cette redirection. Mais en tout cas, c'est un pre, euh, premier pas et celui-là, il est attendu par l'ensemble des pays en développement. Alors à retenir, les pays en développement conscients de la nécessité de maîtriser le changement climatique. En attendant de propositions crédibles des pays développés. Et dernier détail, les intérêts de ces pays ne sont pas si convergents qu'on qu peut penser ils sont traversés euh, de contradictions internes. Mais l'expérience montre qu'ils sont tout à fait capables de retrouver leur unité contre le Nord quand il s'agit de demander que le Nord soit sérieux en faisant de telles propositions.